Beau matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le message de ce mercredi 28 décembre 2022. Nous sommes encore en 2022, n'est-ce pas? Comment allez-vous? Bien, j'espère. En tous les cas, moi, je vais bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Et le plus fort est celui que je nourris le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé accueillir. Accueillir ce qui vient n'est pas toujours facile. Eh bien, cette carte, elle vous invite d'accueillir tout ce qui se passe en vous et autour de vous, n'est-ce pas? Il est important, vraiment, d'accepter et de vivre les émotions qui vous traversent, les heureuses comme les douloureuses, n'est-ce pas? Mais aussi tous les moments de votre vie, positifs ou négatifs, même si ce n'est pas toujours facile. Et Dieu sait que ce n'est pas facile d'accueillir les émotions, que ce soit douloureux ou heureux. Heureux, c'est plus facile, n'est-ce pas? Mais les émotions douloureuses, c'est pas facile parce que ça atteint notre petit cœur. Nous avons naturellement tendance, eh bien, à bloquer ou à refouler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et ça, c'est un gros problème parce que ça se répercute sur votre santé. Mais une fois cette première réaction passée, accueillez cette émotion avec bienveillance et donnez-lui de la place. Prenez du recul afin de la comprendre et de l'identifier et écoutez ce qu'elle a à dire sur vous-même. Accueillir un événement, eh bien, c'est vous donner la possibilité de trouver une solution ou peut-être de faire le point avant d'y voir plus clair. Eh bien, moi j'ai eu une période où j'ai dû accueillir des émotions douloureuses et je ne savais pas les accueillir. Et mon amie qui est psychothérapeute me disait: Fabienne, prends le temps d'accueillir cela, tu ne réfléchis pas, accueille, respire, fais des respirations pour accueillir cet événement, cette émotion douloureuse. Et puis, je prenais le temps, évidemment, de prendre cette émotion qui était très douloureuse. Je me posais et je me demandais, qu'est-ce que moi, je peux changer à cette émotion douloureuse? Qu'est-ce que je peux en faire? Comment puis-je trouver une solution à cette émotion douloureuse? Je vous assure que quand vous faites cet exercice, eh bien, cette émotion douloureuse, vous la prenez. Ça prend le temps qu'il faut et vous trouvez une solution où vous faites le point par rapport à cet événement que vous vivez, que moi je vivais en tous les cas. Et ça m'a beaucoup servi de faire cela. Accueillir les émotions douloureuses, eh bien, c'est un exercice.
Et encore une fois, cet oracle, c'est un travail sur soi, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'ai pris cet oracle tout ce mois de décembre. Petit rituel, quand une situation ou une émotion délicate vient à vous, fermez les yeux et soufflez un instant. Et que se passe-t-il en vous, dans votre corps, dans votre tête? Regardez ce qui se passe. Et essayez de le décrire, ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous. Surtout, ne bloquez rien. Laissez tout venir. Laissez votre corps s'exprimer. Si vous avez des larmes, eh bien laissez venir. Ensuite, eh bien si cela vous rassure, rappelez-vous que tout n'est que passager. Invitez ces émotions eh bien, à vous parler, accueillez-les pleinement, explorez-les, identifiez-les, besoins qu'elles génèrent en faisant des alliés, et pas des ennemis. Et tentez de faire avec ce qui est et non ce qui devrait être. C'est pas facile, ce sont des exercices qui ne sont pas faciles, mais qui sont importants à faire. Accueillir ce qui est. Je termine avec l'oracle de l'évolution. Et là, je pige, je la mets à l'endroit parce qu'elle est à l'envers. Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir, c'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi, savoure-les, ils sont délicieux. Je vous souhaite une toute belle journée à toutes et tous, merci de votre écoute. Cliquez sur le pouce, ça fera pour faire que l'algorithme de YouTube permette de. Ça permet de faire connaître ma chaîne. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Et puis on se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien et je vous embrasse tout fort. À demain.